Allez, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez constaté, le plus levé il est juste devant. Et puis moi je suis avec la rotative derrière. On part pour préparer pour les betteraves, on va faire de l'Avadex. A tout de suite. Au niveau graminé, donc je vous expliquerai tout ça dans le champ quand on sera arrivé, parce que là bien entendu je suis sur la route, donc allez je me retrouve. Elle est en train d'épandre de la Videx juste devant moi et moi je suis derrière en train de passer la rotative. Donc pourquoi on fait comme ça, c'est pour enterrer. Comme vous pouvez constater, le pulvé il est juste devant moi. Là on est en train d'enterrer la Videx pour que les betteraves s'installent correctement. C'est anti-graminé, on sent le produit, mais bon, malgré qu'on ait fermé la cabine on sent le produit hein. Donc le rouleau paquet qui est là, vous voyez un petit peu les pics et puis les dents de la rotative qui sont comme ça, avec bien entendu les carbures, parce que moi j'ai équipé tout à carbure. En route le lendemain de la vidéo de la rotative, on est en train de se mêler les graves. Et voilà le champ qu'on voyait avec la rotative.
en train de rouler pour appuyer, de d'un pour les limaces, faut pas qu'il y a trop de limaces, comme ça casse les meutes, et de deux comme c'est sec, ça revivre, ça fait remonter l'humidité en haut de niveau de la graine, donc ça aidera à germer. Bon, j'espère qu'il pleura pendant cela, parce que sinon ça fera mal à la tête. Donc voilà, donc là je suis avec les Combridge, les 9,50 m. Voilà les amis, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, je vous remercie à tous qui like et qui commentent, ça fait super plaisir. Donc je voulais vous dire aussi qu'on a le gaucho sur le, donc, les gynécologides, donc je vous écrirai juste en dessous de la vidéo. Donc heureusement qu'ils l'ont remis, on va voir ce que ça fera, il n'y a pas 100% c'est sûr, à peu près il y en a 80% même pas d'éconoïdes. Avant c'était 100%, maintenant il y en a à peu près 80%, voilà. Donc une chose qui est sûre et certaine, on verra l'année 2021, j'espère qu'elle sera pas comme 2020. De toute façon 2020 ce qui a tombé hein, c'est ce fameux gaucho d'éconoïdes et la chétresse qu'il y a eu aussi derrière. Donc on espère de pouvoir pareil, sinon bah, ça craint quand même, parce qu'il y a beaucoup de betteraviers qui arrêtent. Voilà. Allez, sur ce.